À domicile optique, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les loupes Mobilux LED que vous pouvez voir juste ici. Alors, nous allons avoir deux formats, rectangulaires comme ici ou ronds, suivant le grossissement. Plus on prend un grossissement élevé et plus nous serons sur un petit format, une petite lentille comme ici. Tout simplement parce que plus on grossit, plus on va avoir des aberrations sur les côtés, ce qui fait qu'on va rapetissir la lentille de base, tout simplement. Alors, ces loupes juste ici sont très bien puisqu'on va avoir différents grossissements. Attention, c'est pas parce que vous prenez un fort grossissement que vous allez mieux voir. Vraiment, le grossissement est à déterminer suivant ce que vous avez à faire avec et votre correction. Donc, fort grossissement ne veut pas dire mieux voir. C'est très important de faire la différence. Par contre, sur ces loupes-là, nous allons avoir une lumière juste ici. Et ça va considérablement changer la donne. Par exemple, voilà, nous sommes ici sur un article de journal. Je mets la lumière, tout de suite, ça augmente le contraste. Ça, parfois, ça va être plus important qu'un grossissement plus élevé, comme vous pouvez le voir. Sur ces loupes-là, on va avoir un autre avantage, c'est qu'on va avoir des petits filtres que nous allons pouvoir mettre lors de la mise en service. Donc, c'est tout petit, ça se trouve ici. Nous allons les mettre sur la lumière ici. Alors, c'est petit, hein. Hop, comme là, des petits tétés. Et nous allons pouvoir voir la différence. Donc, en fait, ça va changer la couleur. Pour quelqu'un qui a des problèmes de vue, qui a des problèmes de basse vision avec certaines pathologies, ça va énormément aider puisque suivant ce qu'on peut avoir, on va être ébloui plus par une lumière qu'une autre. Et là, en fait, ça va couper certaines longueurs d'onde, ce qui va vous permettre d'augmenter le contraste comme ici. Sur ces loupes-là, donc comme vous pouvez le voir, c'est une loupe qu'on prend à la main pour prendre comme ceci. Mais nous allons pouvoir la poser. Donc, nous avons des monobases, ça s'appelle comme ça. Attention, les monobases correspondent à des grossissements de lentilles. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, j'en ai une plus importante. La monobase va être plus petite. C'est la distance de la lentille, de la focale, en fait. La distance où l'image sera le plus nette. Donc, quand vous choisissez votre loupe, il faut faire très attention au socle utilisé et bien prendre le bon socle avec le beau grossissement. L'avantage du socle, c'est tout simplement que vous êtes à la bonne distance. Vous posez et vous pouvez lire tranquillement en défilant de ce type-là. Il faudra regarder par le dessus. Voilà pourquoi on a mis un socle. Donc cette loupe-là, elle est très confortable. Vous allez pouvoir changer les filtres, comme ici. Vous allez pouvoir mettre le socle pour être bien droit. Et il va y avoir vraiment beaucoup de grossissements différents. Mais vraiment, je vous le répète, c'est très très important. Fort grossissement ne veut pas dire mieux voir. Vraiment, il vaut mieux prendre un peu moins fort en grossissement et pouvoir lire. Voilà, tout simplement. C'était la minute Mobilux. Merci, au revoir.